L'épidémie de grippe aviaire H5N1 a été signalée pour la première fois dans un élevage de volailles. Les services vétérinaires du Sénégal rapportent que plus de la moitié des oiseaux ont été tués sur une batterie de 100 000. Cette épidémie survient alors que le pays fait face à l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Une réponse sanitaire est nécessaire en ce moment pour que la maladie ne prenne pas d'ampleur. Sur le plan économique, la maladie de la grippe aviaire risque de mettre en péril la filière avicole. L'épidémie a été découverte pour la première fois à Thiès, une région située à l'est de la capitale, Dakar. Les autorités enquêtent toujours sur ses origines. Ceux qui travaillent dans les fermes avicoles font de leur mieux pour atténuer les dégâts. Toute entrée au niveau du couvert, que ce soit au niveau de la grande porte, que ce soit au niveau du personnel ou des matériels comme les voitures, tout est désinfecté avant d'entrer au couvert. Toute visite aussi étrangère est annulée jusqu'à ce qu'on trouve une solution. L'infection chez les humains survient généralement après un contact étroit avec des oiseaux infectés ou un environnement contaminé par le H5N1. La transmission interhumaine est encore rare, bien que la maladie, selon l'OMC, ait un taux de mortalité d'environ 60%.